Ah ben il a attendu pour avoir du succès, mais c'est vrai qu'il avait écrit avant l'affaire Harry Kéber. C'est vrai que ça, ça a été l'explosion grâce à votre éditeur. Et d'ailleurs, vous êtes toujours, même s'il n'est plus là aux éditions de Fallois aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs à travers votre livre ce que vous racontez aussi, votre histoire avec cet éditeur, parce qu'il y a plusieurs histoires dans l'énigme de la chambre 622. L'écrivain qui enquête sur cette énigme raconte aussi, évidemment, euh, cette jolie rencontre avec un éditeur qui lui a fait confiance. Et là, vous ne changez pas les noms, vous parlez vraiment... De de Bernard de Fallois. Pourquoi vous aviez envie de lui rendre hommage à travers plutôt qu'un livre qui lui aurait été entièrement consacré à travers une enquête qui n'a rien à voir avec lui pour le coup. Mais c'est la question que je me suis posée parce que quand Bernard décède en janvier 2018, euh, j'ai envie tout de suite de raconter ou de consigner pour moi les souvenirs pour qu'ils restent frais parce que les souvenirs restent évidemment forts, mais on perd un peu le détail, on perd le lieu exact, on perd le jour et j'avais envie d'une précision. Et C'est en commençant à les écrire que j'ai envie de les partager et j'ai envie de raconter Bernard. Mais je me suis rendu compte que j'avais une difficulté qui était, je pouvais raconter qui a été Bernard de Fallois, homme extraordinaire né en 1926, qui a eu une carrière absolument incroyable, mais que je n'ai pas connu. Moi, j'ai connu Bernard de Fallois à partir de 2011, qui était un homme probablement plus apaisé, euh, beaucoup plus tendre. Et je me suis dit que je n'avais pas envie de donner à mes lecteurs euh, une lecture peut-être trop artificiel de qui il avait été, en interrogeant des gens, en interrogeant son parcours, en interrogeant ceux qui l'avaient connu avant. J'avais envie de raconter cette relation entre Bernard de Fallois, 85 ans, et moi, à partir de 26 ans, quand il a été cette personne qui m'a fait rêver. Euh, je crois que je l'ai rencontré à un âge où je ne rêvais plus. J'avais écrit déjà cinq romans qui avaient été refusés par tous les éditeurs 30 fois à chaque, euh, 150 lettres que j'ai gardées, et j'étais euh, très triste, et j'avais une grande difficulté à faire ressortir cette identité d'écrivain que je ressentais au fond de moi. Et Bernard, pas par le succès, pas par le succès commercial ou critique, mais Bernard, parce qu'il a cru en moi, par le regard qu'il a posé en moi, a réussi à faire ressortir cette identité, il m'a permis de l'exprimer au grand jour. Et donc pour répondre longuement pardon, à votre question, j'avais envie de consigner les quelques souvenirs que j'avais de façon... Le plus efficace possible pour raconter Réussi. une touche qui il a été. Mais je me suis dit, il manque peut-être dans tout ça ce qui nous a liés, lui et moi, c'est le roman. Et c'est pour ça qu'en partant de ce point de départ, qui était uniquement un petit texte sur lui, j'ai eu envie de raconter un roman, un roman qui se passe à Genève. C'était un pas pour moi très important aussi. Et de lui rendre hommage au travers la fiction. Une littérature qui a été ce qui nous a liés. très Alors c'est ça, je vais essayer de pitcher à hein, l'énigme de la chambre 622, ce qui est pas facile. Un à un livre de Joël Dicker, faut s'accrocher. Mais en gros, c'est un écrivain qui va rencontrer une femme dans un hôtel en Suisse, un palace qui n'existe pas d'ailleurs, je Il crois, en vrai, mais euh, ils vont se rencontrer. Et elle va rencontrer celui qu'elle appelle l'écrivain. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle le surnomme ce, ce, cet écrivain. C'est vous, hein, en quelque sorte. Et ensemble, ces deux personnages, cette femme qui s'appelle Scarlett, hommage encore à Bernard de Fallois, je crois, parce qu'il était passionné par le roman autant. On emporte mmh. le, le vent et, et, et donc Scarlett et ce Joël parce qu'il s'appelle comme vous Joël cet écrivain, ils vont enquêter sur cette chambre 622 qui n'existe pas dans ce palace où il séjourne parce que voilà le palace a préféré oublier cette chambre où il y a eu un meurtre quelques dizaines d'années auparavant. Est-ce que j'ai à peu près bien pitché le bouquin? Très bien pitché. Ouais, C'est pas facile hein, de pitcher du Joël. Mais on va chercher derrière. qui a tué euh, finalement. On, ah, ne pas, on ne sait pas qui a ah tué. On va pas on chercher pas qui a qui... tué. <laughs> on va chercher qui est tué parce qu'on ne sait pas qui. C'est là où non. il est quand même formidable. Non. Il a réussi un coup. Un incroyable parce qu'on ne sait pas qui est mort dans la chambre et on ne va pas le savoir tout de suite, croyez-moi. Hein. Il faudra bien attendre euh, peut-être le dernier quart fin, du oui. livre quasi. Euh, oui. euh, mais et, et, alors, qui a tué Pourquoi C'est une histoire incroyable qui se passe dans le, le milieu de la banque, forcément. Hein, c'est à Genève. Et là encore, vous réussissez votre tour de force. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, on va dire qu'il y a les 5 à 10 du livre qui est consacré. À votre histoire avec votre éditeur, et vous dites d'ailleurs à un moment donné, parce qu'elle l'interroge, cette Scarlett qui fait euh, son enquête avec lui sur cette énigme, elle l'interroge aussi sur son métier d'écrivain, mmh. et donc il lui répond de temps en temps. Et, 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 et là, il lui dit l'écrivain euh, Bernard ne me faisait qu'un contrat pour un livre à chaque fois. Ça, vrai. ça m'a surpris parce que ça veut dire que malgré le succès du premier bouquin, énorme succès, enfin pas le premier, le deuxième, parce que le premier avait moins bien marché, mais on va dire. On considère sûr que c'est le premier l'affaire Harry mmh. Kéber, malgré cet énorme succès. Après, il n'a pas essayé de vous lier pour trois euh, ou quatre livres. Jamais, jamais. Il m'a dit le prochain roman, s'il n'est pas bon, je ne le publierai pas. <laughs> Et ça, c'était la relation que j'avais avec lui, cette relation de travail, cette relation de remise en cause constante du travail, du livre, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de soi-même. Et ça a été une de ses grandes leçons. C'est de se dire que le succès, c'est formidable, ça apporte quelque chose d'extraordinaire. Avoir des lecteurs, c'est un sentiment fantastique pour moi qui ai tellement rêvé d'être lu. Mais c'est pas tout. Le plus important, c'est ce qu'on fait à côté, c'est le travail, c'est l'énergie qu'on met à essayer de se renouveler. Alors il y a aussi, euh, il faut le dire, un moment où je me suis amusé parce que, alors c'est un tout petit passage là encore, mais quand même, vous avez réussi. Euh, peut-être vous avez un côté voyant à glisser le mot pandémie dans votre <rire> roman. <rire> faut quand même le faire. <laughs> bon, alors c'est une pandémie, certes, bien localisée, on va pas raconter parce qu'il ne faut pas divulgacher euh, le livre de Joël Dicker, mais, mais quand même, il y a pandémie. Il y a pandémie. Et Verbier, figurez-vous, a été un des très 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 grands foyers de coronavirus en Suisse, début du mois de mars. Je donne la parole à mes camarades tout de suite, mais quand même encore un, un dernier passage que je veux lire, euh, selon Bernard, toujours votre éditeur, et c'est l'écrivain qui parle dans votre livre, un grand roman, c'est un tableau un monde qui s'offre au lecteur, qui va se laisser happer par cette immense illusion faite de coups de pinceau. Le tableau montre de la pluie, on se sent mouillé. Un paysage glacial et enneigé, on se surprend à frissonner. Et il disait, vous savez ce que c'est un grand écrivain C'est un peintre, justement. Alors vous l'avez peint, ce livre Je l'ai peint, ou en tout cas j'ai proposé une peinture à mes lecteurs de Genève, de ces personnages, de Bernard aussi, qui fera écho en chacun, et c'est la force des livres où chacun trouvera écho par rapport à son histoire, aux personnes qu'ils ont connues, aux lieux qu'ils ont connus aussi, à des aventures, aux aventures de la vie dont je parle ici. Et pour moi, c'est la force de la, de la, de la littérature, c'est que justement, je propose une histoire qui n'est que la mienne, et le lecteur ensuite est maître de cette histoire-là, et il crée l'histoire qui répond à son écho à lui et à son imaginaire à lui. C'est la force évidemment du roman, et ça vous nous le rappelez aussi parfois dans les interviews, en tout cas sur le film ou même le téléfilm. On se souvient que l'affaire Harry Kebber avait été adaptée pour la télévision par Jean-Jacques Hanau, avec Patrick Dempsey quand même, hein, c'est pas mal. Mais c'est vrai que d'un seul coup, les personnages qu'on avait imaginés n'étaient ben, pas forcément ceux qu'on voyait sur l'écran. Mais ben non, mais c'est pour ça que les gens me disent, mais est-ce que je vais retrouver dans la série les émotions que j'ai pu connaître dans le livre Et je dis, bah ben évidemment ah non. que non. non. Vous on est vous toujours déçus De toute Pardon façon, quelle que soit l'adaptation cinématographique ou en série, on est toujours déçu quand on est euh, grand lecteur, lectrice, quand, on, quand ça passe en images. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours déçu. n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et, euh, oui, il faut toujours, laisser euh... du temps. Parfois, laisser ah, du je temps. Sais, à chaque fois, je me dis, c'est raté. Enfin, c'est vraiment. Oui, euh, sur sur, sur me ce, ce sujet-là, oui. Ouais. Moi, pas toujours. Fait par fait exemple, on, on l'a vu euh, la semaine dernière avec Tonino Benacquista. Euh, je disais que sur le, le bouquin Malavita, j'avais mm. lu bien avant le bouquin. Ouais. Et puis j'ai vu par hasard, parce qu'effectivement, je n'avais pas eu envie d'aller voir le film au cinéma. Euh, quand même, pourtant, il y avait De Niro euh, hein, dans euh, le film, ouais. et Michel Pfeiffer c'est quand même pas mal. Et ben, j'ai vu le film dix ans après par hasard. Et ben là, ça m'a plu. Oui, mais parce que vous avez laissé dix ans. Parce que j'avais oublié. Voilà. Et oui. Mais ça dépend de l'intention. C'est-à-dire que si vous allez voir un film avec l'intention de retrouver ce que vous avez vécu, Et lecteur, oui. en lisant un, un livre ça ne se passera pas. Ah ça ne sera jamais aussi fort. J'interroge maintenant Claude Ascolovitch en signalant quand même cette jolie photo, hein, évidemment, euh, du lac Clément et du, le fameux jet euh, d'eau de Genève. Ça me fait penser à mon ami. On est dans la nostalgie hein, ce soir à mon ami Marie Laforêt qui a si bien chanté Genève et, et ce jet d'eau Genève ou bien. Alors ou bien, vous Vous l'avez aimé, ce livre de Joël Dicker, Claude ouais. Ascolovitch Oui, absolument. On est pris, il ouvre des portes, il en referme. On ne peut rien dire parce que Sophie Tapie est là et quelques millions de personnes qui nous regardent, Qu'on <laughs> ne va pas tout leur gâcher. Mais oui, on est pris. Il, il, y, a, il y a une Chose qui me frappe et en vous écoutant et c'est peut-être l'ambiance de cette émission. Quand vous parliez de tous les gens qui partent et qui nous manquent, c'est un livre de fils, d'héritiers. La plupart de vos personnages, ils ont des choses à régler avec papa, ah, quel que vrai. soit le papa. Euh, Vous-même, tout ce que vous racontez sur De Fallois, mais également dans les références que vous mettez, il y a un peu d'Albert Cohen là-dedans. Qu'est-ce qu'on s'emmerde quand on est amoureux sur une île grecque euh, Il y a un peu de Hitchcock, le couple des deux enquêteurs, ou bien de Fanny Ardant. Euh, de, dans le film de Truffaut, vous voyez, euh, finir dans avec. Non, je ne dis pas de bêtise. je dis peut-être une bêtise. Dans Vivement Dimanche. Dans Vivement Dimanche. Il ouais. euh, y a ça. À quel moment, puisque là vous allez petit à petit vers la quarantaine, euh, Bernard de Foila n'est plus là À quel moment allez-vous acquérir cette horrible arrogance des gens mûrs, qu'ils savent qu'ils ont du succès et qui à leur tour donnent le là Ou est-ce que vous voulez rester cet enfant un peu naïf que vous décrivez Je crois que l'enfant est un mot très important parce que l'enfant est la création, ou l'enfant en général, les enfants sont les meilleurs capteurs de création. Euh, L'enfant, vous lui racontez une, une histoire, il y croit tout de suite, il se met dedans. Et euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je me vois souvent comme un, comme un enfant, en tout cas dans la perception de ce que je fais, dans, dans le sentiment que j'ai, dans le regard que j'ai sur moi, de me dire, ben, j'ai que 34 ans, euh, j'ai écrit seulement 5 romans. Je me sens encore un enfant dans le monde de la littérature si vous voulez, dans la mesure où euh, j'espère qu'il y aura d'autres livres et j'espère que j'aurai une œuvre. mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus pour moi à faire, beaucoup plus à travailler, beaucoup plus à comprendre sur cet art de l'écriture qu'on ne saisit pas très bien parce que qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain aujourd'hui? On peut il n'y a pas une université, il n'y a pas un cours, il n'y a pas un cursus, on peut être pianiste en allant au conservatoire, on peut être peintre en allant aux beaux-arts. On pourrait être journaliste ou entraîneur de foot ou médecin ou infirmière, on va suivre une formation où on va vous expliquer, on va vous apprendre. Et l'écriture, le métier d'écrivain, par un extraordinaire hasard de la vie, est quelque chose, est un métier, est un savoir-faire qui ne répond pourtant à, aucun, euh, à aucune transmission, en tout cas à aucun apprentissage qu'on pourrait transmettre de quelqu'un qui le connaît à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Entre les questions très longues d'ascolovic ah et ouais, vos réponse, en train qui de qui le te... sont tout autant, on va pouvoir vous placer, Laetitia Krusa. Je vais essayer de faire hyper court. Euh, Est-ce que ça vous gêne quand on dit de vous que vous êtes un auteur industriel Mais qu'est-ce que ça veut dire Un auteur euh, locomotive. C'est-à-dire que, euh, je vois que Sophie euh, fronce des sourcils, ça veut dire qu'avec votre bouquin, en fait, franchement, vous devez avoir une pression, mais juste immense, sur les épaules. J'ai lu dans toute la presse qu'on vous attendait comme le Messie pour sauver L'édition française, ça comme va Messi ou ou vous, êtes, vous êtes comment comme avec, Messi avec... oui. Très bon mot, non, comme vrai. le Messie ou comme le Musso. Exactement. Avec oh, ils sont le ou 4, hein. Il y a Bernard Minier, il y a bien Guillaume sûr. Musso, Mais il y a alors, Chatham parfois aussi. Ça, ça va enfin, vous, Comment vous encaissez cette pression Mais je crois que c'est un moment très important qu'on vit. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que des commerçants qui vivent de leur commerce, qui vivent d'avoir leur magasin ouvert, que ce soit des bars, des cafés, des librairies et là on parle de ça. Qui sont des gens qui n'ont plus de trésorerie, qui ont pendant huit semaines dû payer des loyers et des salaires, ont eu des charges, pas de rentrée. Et je crois que le moment, c'est pas de se demander très égoïstement, est-ce que j'ai de la pression, est-ce que si, est-ce que ça. Le moment il est pas à, à cette exclusivité de moi, il est à la solidarité. Il est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les libraires, pour les aider un peu. Et pendant ce confinement un des réflexes que j'ai eu très, très modestement, parce qu'on n'avait aucune, aucune idée de ce qui allait se passer, quand est-ce qu'on rouvre, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que les distributeurs peuvent se remettre aussi en route. Mon réflexe a été d'écrire à des libraires, à une centaine, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui, pour vous, libraire, indépendant ou ah, responsable de magasin, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous Et leur réponse a été essayez, s'il vous plaît, de faire paraître votre titre le plus tôt possible dès la reprise. Mm -hmm. on, ignore la date, on ignorait encore quand. Faites-le sortir le plus vite possible. Pour espérer avoir des gens dans les magasins. Et c'est ça le réflexe de solidarité. Vous de... faites exactement ce que faisait, vous le racontez dans le livre, Bernard de Fallois qui appelait chaque libraire aussi pour savoir où en est-il. Mais était ça, c'est à la, la transmission. De... Ça, je l'ai appris de Bernard, <laughs> mais absolument. Euh, mais ce n'est pas un réflexe de moi. C est, c est, c est, je crois qu'aujourd'hui, le véritable appel, c'est la solidarité, c'est serrer les coudes, c'est que ceux qui nous regardent, aillent dans les petits magasins, aillent chez les commerçants, fassent cet effort-là. C'est après Covid 19 et tout le monde se plaint d'avoir été enfermé par leur gouvernement, qu'on soit en Suisse, ah. en France ou ailleurs. Maintenant, la responsabilité, elle est entre vos mains à tous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ça veut dire porter des masques, se laver les mains, aller dans les magasins et faire des achats en fait, responsables. Vous, pour vous contournez un peu, c'est très bien, je comprends ce que vous dites, mais vous contournez un peu ma question. En fait, à un auteur industriel et vous le savez très bien, parce que vous avez lu, je pense, toute la presse. Euh, qui, euh, de toute façon, est très abondante à votre sujet. C'est euh, un auteur qui connaît des, des livres... Il y a des débats, on va dire qu'il y a des débats autour oui, de Oui, qui Dick. connaît des livres, Easy... Alors, je vais, je vais, je vais prendre Page un... turner ouais, Page-Turner et Easy Reading, comme on dit, Easy Listening pour la musique, c'est-à-dire que c'est une littérature relativement pauvre et qui euh, va parler au plus grand nombre, à un très grand public qui peut-être n'aurait pas accès aux livres euh, sans vous. Hein, mais c'est une, une qualité. Mais oui. est-ce que vous acceptez ce type de critique Mais c'est extraordinaire ce que la littérature a réussi à faire, c'est-à-dire rater complètement son avènement dans le 21e siècle. Parce que là où les séries brillent aujourd'hui, là où les séries sont sur la fédération, retrouver des gens, passer des, des messages, être dans une. Dans, dans un, un englobement, justement, pour mettre des gens ensemble, la littérature aujourd'hui est occupée à se pincer le nez et à pleurnicher parce qu'un livre qui se vend, c'est un mauvais livre. Et ça, c'est la tristesse. C'est la, la, la littérature ou une partie de la critique mmh. C'est une ou partie, partie de la critique, moi ou ouais, ouais. des gens qui prennent au sérieux la phrase ciselée, mmh. ça existe aussi. Ce sont des gens qui se reconnaîtront et qui ont envie de se pincer le nez et d'insulter, dans mon cas, des millions de lecteurs. Et des journalistes qui ont aimé, hum. et des livres qui sont non. traduits. en 65 ça, ça va loin, c'est un point. Et moi, et, 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 bon, j'ai trouvé ça tellement incroyable que le magazine Lire, je ne sais pas si vous avez vu ça, alors c'est un point formidable, parce que le magazine Lire, il publie un courrier de lecteur, un monsieur qui s'appelle Thomas Paillet, au moins il signe un nom, hein, c'est mieux que sur Twitter où parfois c'est anonyme. Et là, lui, il n'est pas content. Il n'est pas content que le magazine Lire vous ait consacré sa une et euh, un article et trop de, trop de, 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 de lignes sur votre sur votre Ouvrage. Euh, voilà un sacré poison d'avril. Lire qui consacre son grand entretien à Joël Dicker. Pourquoi pas à mon plombier la prochaine <laughs> fois, dit ce lecteur Mais... Croyez-vous que ces romans vont passer à la postérité Et là, il y a une belle réponse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non, la non, réponse je pas vu. du magazine Lire. Voilà un avis bien tranché sur l'auteur de l'énigme de la chambre 622, dont la parution est finalement repoussée, puisque c'est vrai que le livre devait sortir un peu plus tôt avant toute cette histoire de confinement. Et, euh, et là, bah, il vous compare finalement, dans la réponse à ce lecteur, il vous compare à Agatha Christie, à Jules Verne, à Alexandre Dumas, à tous ces auteurs qui ont été des auteurs populaires et dont on parle encore aujourd'hui. Mais écoutez, j'aimerais dire quelque chose de très important. On a le droit de ne pas aimer. Et ce monsieur, et c'est très important, on a le droit de ne pas aimer. C est, c est, je ne parle pas de ça du tout. On aime, on n'aime pas. Et c'est très important de savoir ce qu'on aime. Et c'est encore plus important de savoir ce qu'on n'aime pas. On a le droit de ne pas aimer un livre. On n'a pas le droit. On a le droit de ne pas aimer mes livres. Ça me, ça me va très bien. Et j'aime l'idée du débat. J'aime l'idée que ce monsieur soit agacé parce qu'il n'a pas aimé ce que je fais. Il aurait aimé quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose. Est et puis la on discussion. peut aimer les deux. C'est le débat. On peut on... aimer, effectivement, bah, une, une littérature avec des phrases parfois plus ciselées et des bouquins qu'on qu on achète parce qu'on a envie d'une histoire. Une histoire qui va nous passionner jusqu'à la fin, et c'est le cas avec vous, ça c'est sûr. Alors bien sûr que euh, vous, bah, vous, vous c'est pas du tout un, mais c'est pas pour autant que vous. Attention, c'est pas pour autant que vous ne ciselez pas euh, effectivement vos phrases, parce que j'imagine que vous y revenez à plusieurs reprises dessus, mais peut-être pas autant qu'un Yann Moix ou qu'un autre qui vont effectivement euh, avoir des idées plus précises sur ce qu'est la littérature, mais qui vont moins vendre en revanche. Mais je crois que la question, et c'est vraiment ça, et c'est ce sur quoi je m'insurge ici. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on est en train de rater pour être en train ici de pinailler, non pas dans un débat de couleurs et de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, et de ce que ferait, je le disais avant, une série télé. Moi, je n'ai pas aimé, vous avez aimé, comment, mais c'est extraordinaire. La série télé, elle a ça aujourd'hui de pouvoir mettre des gens ensemble qui n'ont rien en commun dans une société qui a un peu de peine à vivre ensemble quand même. Où on est très rangé dans des élites, dans des cases, dans des gens qui peuvent, des gens qui ne peuvent pas. La série télé fédère. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'art a cette puissance fédératrice et plus fort que la série télé, le roman. Et au lieu de saisir cette opportunité extraordinaire de dire aux gens Lisez et faites-vous un avis, c'est tellement important. Et moi qui le vis, moi qui le vis, moi qui ai des lecteurs qui sont des universitaires, des professeurs et des gens qui ne lisent pas et des gens qui ne lisent pas du tout et qui se mettent à lire, je ne suis pas en train de défendre ce que je fais, je suis en train de dire où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et dans quel sens on va pour être en train de faire des exclusions et de se demander en se pinçant le nez, mais au fond, ils vont énormément de livres, est-ce que c'est si bien Parce que si ça se lit si bien, c'est parce que c'est très facile. Mais écrivez-le, je dis à ceux qui se plaignent et aux quelques-uns, parce qu'il y a des bonnes critiques aussi. Et Heureusement. On, et on, on s'arrête sur. Une mauvaise critique ou deux, alors qu'il y en a d'autres très bonnes, mais à ceux qui se bouchent le nez et qui racontent que c'est si simple, faites-le. Parce que je crois que c'est. Les sont des écrivains aussi. Non, mais c'est ça, les sont des écrivains. Faites-le. Non, je trouve que c'est encore un peu politiquement correct. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attaquer un auteur populaire sans forcément être taxé d'attaquer son public et donc des personnes qui sont. Un public très large et on n'a pas le droit d'attaquer ce public-là parce que finalement ils ont telle ou telle caractéristique. Enfin moi je trouve que c'est vrai pour le cinéma aussi. Oui voilà là, là, ça vrai. devient f... c'est vrai pour la télévision. Ça devient même hyper snob où alors maintenant le plus intellectuel va adorer l'auteur avec une une, une, une une écriture très pauvre parce que ça fait ses grands publics d'aimer voilà ce, les auteurs fédérateurs. Voilà. Mais la littérature c'est ça, c est c est ça et voilà. ça. Mais pour bien euh, sûr mais ça n'a rien mais, mais quand utilisée même utilisée on peut critiquer, euh, on peut dire que vous avez une, un, un talent exceptionnel dans la façon de raconter une histoire et de tenir de bout en bout euh, vraiment euh, le lecteur en haleine et, et mettre une petite critique ou une petite réserve sur la qualité de l'écriture. Parce que l'écrivain euh, n'est pas juste celui qui fait juste celui qui vend des livres, c'est aussi une personne qui a pour principale euh, occupation d'écrire. Mais alors ça, absolument, ça, absolument vous avez après, raison. On donne et, la parole à Claude. Et j'aimerais aussi, aussi dire que pour moi, de nouveau, et dans la peau du jeune auteur que je suis, et je fais la différence entre le fait d'avoir vendu des millions de livres, d'être traduit en 40 langues, d'être lu dans 60 pays, avec le fait que je le disais avant, j'ai 34 ans, c'est mon cinquième roman, c'est pas beaucoup, j'espère que les prochains seront mieux. Et la critique, elle est importante pour moi, elle est importante parce que c'est un moyen très important de travailler, de comprendre, d'aller de l'avant. Et c'est parce que mes romans ont été refusés par des éditeurs que j'ai pu me remettre en question, écrire ce que je fais aujourd'hui, qui évoluera après. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas ce que vous avez dit avant. Vous avez parlé de la littérature industrielle, du easy reading, et ce n'est pas la même chose. Ce sont des gens qui ne sont pas en train de critiquer. Un livre parce qu'ils n'aiment pas l'écriture, parce qu'il manque un S ici ou parce que l'histoire n'est pas claire. Ce sont des gens qui sont en train de critiquer un succès et ce n'est pas la même chose. Vous oui, auriez pu répondre comme dans le livre Non, mon prochain roman ne sera pas une histoire policière à la noix. <laughs> <laughs> C'est ce qui répond l'écrivain. Mais je pas encore lu. Je, je, <laughs> je, je, je précise pour ne pas être mise dans une haute catégorie que j'ai lu tous vos romans. Voilà, tous et que je les ai aimés. Mais simplement, je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin quand on discute. Un, un dernier un... mot. Signé Claude qu Qu'est-ce que, qu que vous lisez, vous, en ce moment Un livre extraordinaire, 1793, d'un monsieur qui s'appelle un Suédois, pardon si j'écorce son nom, Niklas Ornad ah oui, euh, chez Sonatine. Et c'est un livre absolument incroyable, qui pour moi rappelle la force d'un libraire. Je l'ai acheté en février, à l'époque, on prenait des avions encore. Euh, J'ai eu quelques jours de vacances et je suis allé dans une librairie, je ne savais pas quoi lire. Et le libraire me dit, Lisez ça, c'est extraordinaire. Je vois ce bouquin, la couverture ne me dit absolument rien, le titre ne me donne pas envie, je lis le quatrième, ça ne me donne pas envie non plus. Je le repose et il me dit, Lisez-le, c'est formidable. Et oui, il faut se forcer parfois. Il me le pitch, j'ai absolument pas envie de lire ce livre, c'est pas du tout ce que je veux. <laughs> et puis il me le met dans les mains et je me sens obligé finalement de le prendre. Je l'achète. Et c'est un livre absolument extraordinaire. Et je vous raconte ça parce que la force du libraire, c'est pas la force d'un Amazon qui ah, va vous dire vous avez, vous avez aimé ça, vous avez aimé exactement pareil, et vous avez aimé ça, et vous allez aimer exactement pareil. Le li ce libraire-là m'a emmené dans un livre absolument fou que je n'aurais jamais lu sans lui, qui est une histoire à Stockholm en 1793, où vous allez retrouver un livre aussi fort que Le Parfum de Suskind c'est un, un extraordinaire roman. – Bon ben bah voilà, et moi je vais conseiller Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, même si autant vous dire, hein, prenez votre temps pour le lire, parce que c'est vrai que pour l'émission, nous on est obligé de lire un petit peu vite, alors j'ai eu du temps là, parce qu'il y a eu confinement, où ça m'a permis de démarrer il y a quelques semaines, parce que là vous dites, mon livre, quand je pense que je me mets du temps à l'écrire parfois deux ans, et que les gens le lisent en deux jours, là vous exagérez, hein, ah, ouais. euh, pour le lire en deux jours, il faut quand même être costaud. Hein. – Je n'exagère pas, certains l'ont <laughs> lu en, 20, en 24 heures, et me disent déjà… Et le, et le prochain non, parce... alors prenez votre temps je vous en supplie non, vous, êtes un, vous, êtes, vous êtes un malin parce que je vais vous dire euh, pour l'émission à, à, voilà, à la fin je me disais, je, je suis obligé d'aller un peu trop vite pour, 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 pour le terminer c'est pratique d'ailleurs pour les animateurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais les animateurs de toute façon on ne peut pas raconter la fin comme ça ils n'ont pas... pas besoin de la lire moi je l'ai lu mais je, je l'ai lu en me disant attention, à va que je relise tout. D'abord, c'est ça qui est fort dans vos bouquins, et souvent d'ailleurs dans les polars ou les thrillers, c'est qu'on se dit, il faudrait que je le reprenne depuis le début oui. pour vérifier si tout ce qu'il nous raconte, ça tient oui. avec la résolution finale. Il faut eh ben, lire, deux, faut <laughs> ah, là, lire oui. deux fois. Mais non, il ne faut pas le lire deux, deux fois, parce que je crois qu'il y a tellement de livres à, li à lire ah, qu'une fois, c'est déjà réponse. bien. <laughs> c'est une belle réponse, on vous conseille. Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois.